Excel, procès-verbal d'examen. Alors, nous allons reprendre notre procès-verbal que nous avions fait il y a quelque temps avec des étudiants en éco, en info, en droit. Ils ont des notes et puis la moyenne de ces notes vont permettre de savoir si ces étudiants passent ou redoublent. Alors, ce qu'on va faire en plus maintenant, c'est apporter des coefficients, c'est-à-dire que l'économie ne va pas valoir le même coefficient que l'informatique ou le droit. Donc nous allons insérer une petite ligne au-dessus de Léa. Et puis nous allons attribuer des coefficients. Ces coefficients seront de 3 en économie, de 2 en droit et de 1 en informatique. Ce qui fait donc un total de coefficients, donc égale somme de tout ça, ce qui fera 6. 3 plus 2. 1, 6. À partir de là, nous allons essayer de calculer la moyenne. Il ne s'agit plus maintenant d'utiliser la fonction égale moyenne, mais il va falloir prendre en compte les coefficients des matières. On va donc utiliser la fonction somme prod égale somme prod. On va prendre les notes, point virgule, et on va faire la somme des produits avec les coefficients. Attention, je vais tirer ma pointe de recopie. Donc, les notes de Léa vont devenir celles d'Estelle, donc ça je ne touche pas. Je laisse bien des références relatives. Par contre, les coefficients, eux, resteront toujours en ligne 5. Il va donc falloir mettre des dollars pour que la ligne 5 reste toujours bien au même endroit et ne bouge pas. Une fois que j'ai fait une bêtise, j'ai effacé mes coefficients. On recommence, on met des dollars. On ferme la parenthèse et on valide. Donc ça me donne le nombre de points de Léa. Léa a 57 points. Mais par contre, il faut ramener ça sur 20, donc on va le diviser par la somme des coefficients. C'est pour ça que j'ai calculé le 6. Donc, divisé par E5. Attention, quand je vais tirer la pointe de recopie, même chose, il faudra toujours que ça reste en E5. Donc on va mettre des dollars. On valide et donc Léa, du coup, n'a plus que 9,5 de moyenne générale. Je tire la pointe de recopie et je m'aperçois que j'ai très peu d'étudiants qui ont la moyenne. Je n'ai que Alex qui a 12 de moyenne et Pauline qui a 11,5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux chiffres après la virgule. Donc on va utiliser ces petits boutons là pour ajouter ou enlever des décimales et il va me rester deux chiffres après la virgule. J'aurais même pu le mettre partout. 1, 2, voilà. Ça, j'ai vraiment deux chiffres après la virgule pour les notes et pour les moyennes. À partir de là, on va pouvoir calculer avec une fonction si, si l'étudiant passe ou pas. Égal si, ouvrez la parenthèse, cette note est supérieure ou égale à 10. Alors, val pour valide, point virgule. EAV en attente de validation lorsque l'on est ajourné. Voilà, et je m'aperçois que j'ai très peu d'étudiants qui valident. J'ai bien que deux étudiants qui valident, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. On va le centrer. Et nous avons donc nos moyennes avec nos résultats. Alors, ce qu'on va faire peut-être en plus, c'est que l'on va calculer le rang de nos étudiants. Peut-être que j'aimerais savoir si Léa est première ou si elle est dernière. Donc je vais rajouter une petite colonne ici qui va s'appeler rang. Et pour calculer le rang d'un étudiant, on va mettre égal rang, ouvrez la parenthèse, on va regarder la moyenne de l'étudiant, point virgule, sur l'ensemble des notes de tous les étudiants. Ça aussi, comme je vais vouloir le tirer la pointe de recopie par la suite. Il est important de mettre des dollars sur la plage sur laquelle on a les notes des étudiants. Je ferme la parenthèse, je valide, et avec son 9,5, Léa est quatrième. Si je tire ma poignée jusqu'en bas, je m'aperçois donc que Alex est bien premier, Pauline est seconde, et puis on a la suite des étudiants avec le dernier à 8 de moyenne. On va mettre des petites bordures. Voilà. On aurait pu mettre un R majuscule, ça serait plus propre. Et maintenant, ce que j'aimerais
rajouter, c'est ajouter une colonne qui va s'appeler sexe, qui va me permettre de savoir si j'ai affaire à un homme ou à une femme. Donc on va faire insérer, on va écrire sexe, et puis donc Léa, c'est une femme, Estelle est une femme, Théo est un garçon, un homme, Alex est un homme, Lina est une femme, Manon est une femme, Pauline est une femme. Et ce que je voudrais savoir maintenant, c'est combien j'ai d'étudiants garçons, combien j'ai d'étudiants filles. Donc on pourrait mettre homme, femme, plutôt l'inverse, parce que F c'est avant H, femme, homme. Ici, on va mettre nombre. Et puis, ce qui serait bien, c'est d'avoir en plus la moyenne des filles par rapport aux moyennes des garçons pour voir si les filles sont meilleures que les garçons ou l'inverse. Alors, pour compter le nombre de personnes qui sont des hommes, on va utiliser la fonction nb.si égale nb.si, ouvrez la parenthèse, dans cette plage-là, je vais compter cette plage-là, lorsque j'ai un F. Je me retrouve donc avec 5 femmes. 1, 2, 3, 4, 5. On va maintenant faire un égal nb.si, ouvrez la parenthèse. On va sélectionner toujours la même plage. Par contre, cette fois-ci, on va rechercher des hommes. Et on a 2 hommes et 5 femmes. Ce qui serait bien maintenant, c'est de voir quelle est la moyenne des femmes et quelle est la moyenne des hommes. Je réduis un petit peu les colonnes pour que on rentre tout sur la même feuille. Donc pour avoir la moyenne des femmes et la moyenne des hommes, eh bien on va utiliser une fonction égale moyenne.si. Égale moyenne.si. Ouvrez la parenthèse. On va regarder là-dedans. Quand est-ce que l'on a affaire à une femme? Et lorsque j'ai affaire à une femme, eh bien, je vais faire la moyenne de cette colonne-là. Fermez la parenthèse, on valide. Ce qui me fait une moyenne pour les femmes de 9,4. On va recommencer exactement la même chose pour les hommes. Égale moyenne.si. Ouvrez la parenthèse. Je regarde ici quand est-ce que j'ai affaire à un homme. Point virgule H. Et lorsque j'ai affaire à un homme, eh bien je fais la moyenne de cette plage-là. On ferme la parenthèse. On valide et on a 10,66 avec un 12 et un 9. Vous voyez qu'on est bien sûr du 10,66. Voilà donc pour ces fonctions. Ils sont un petit rappel, hein, le nb.si et la fonction moyenne.si avec je regarde ici quand est-ce que j'ai affaire à des femmes. Lorsque j'ai affaire à des femmes, je fais la moyenne de cette colonne-là. Donc B6, B6, B12, point virgule F, point virgule F6, F12. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce qui indique que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.